Départ à destination de Paris, vol Air France 75-97, embarquement immédiat Porte 8. Vous êtes ensemble? Oui. Vous pouvez patienter 2 minutes, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de bagages à enregistrer? Alors, vous patientez là. Oui. Yes. You wait here and it opens. Can you wait here or here? No, here. Here. And it opens in 30 minutes. Uh-huh. Or can we wait there? No, you have to wait here. Here, okay. Notre mission est de gérer les flux dans l'aérogare. Donc les passagers qui arrivent dans l'aérogare se présentent ici. Donc on essaye de les diriger dans la bonne zone, soit vers la compagnie Air France, de ce côté-là, soit si ce sont des vols charter, on les fait patienter là le temps que leur vol ouvre. Mais on est obligé d'attendre parce qu'il y a trop d'enregistrements en même temps, donc on ne peut pas faire entrer les gens pour n'importe quel vol. Ils sont tous très pressés. En général, ouais, ils veulent se débarrasser de leur bagage, donc la première chose à faire, c'est de vouloir enregistrer dès qu'ils arrivent. Nos missions, c'est nous occuper principalement de répondre aux questions des passagers. Des fois, elles sont un peu... C'est le rush, en fait, le plus dur. Parce qu'après, gérer les passagers, comme c'est souvent les mêmes questions, on le fait assez rapidement. Mais c'est quand il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Soit vous allez à Casamotte, ça met déjà loin, il y a pour la gare de Casamotte. Ce qui revient le plus, c'est souvent la navette pour aller jusqu'à Bastia. Les toilettes aussi, ça revient souvent. Et après, les cartes de la Corse. Ici, nous sommes au poste de contrôle sécurité-exploitation. S'il y a un problème, on peut changer d'écran, aller d'une zone à l'autre. Ça permet de surveiller donc, tout ce qui se passe dans l'aéroport. La personne qui est présente au PC, elle gère tous ces systèmes en même temps et elle informe les agents qui sont à l'extérieur des problèmes qu'il y a afin qu'ils aillent voir tout ce qui se passe. Thank you.